Eh bien, salut les amis, c'est Manal Barbu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Last Day on Earth avec la première vidéo du poste de police, la mage 196. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai pas eu le temps, malheureusement, quand j'en suis rentré, j'ai découvert, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo dessus. J'étais un petit peu dégoûté, déçu de ne pas pouvoir vous l'avoir montré, on va dire, dès le premier jour. Mais là, aujourd'hui, ce que je voulais proposer, comme vous le voyez dans le titre, c'est de faire le poste de police en sans arme à feu. Voilà, avec zéro arme à feu. Pour l'instant, j'ai débloqué que 3 racks. Je vais regarder pour faire les deux autres après. La petite chose importante, je trouve. Alors, on va voir après cette première, on va dire, cette première vidéo, voir si réellement ça peut valoir le coup. Oh là là, je me suis trompé, je me suis trompé. Commence pas à faire le mettre truc bizarre là. Si ça peut valoir le coup de faire la ferme, de faire cette zone-là ou pas. Je la trouve pour ma part pas spécialement. C'est pas la zone, on va dire, la plus rentable du jeu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de on va dire, c'est vrai que les armes qu'il faut utiliser pour les vagues, je sais pas si je ferai des vidéos avec les nombreuses vagues ou pas. Il y a déjà quelques youtubeurs qui l'ont fait, qui l'ont très très bien fait, qui ont atteint les 99, comme je viens de voir la vidéo de notre cher ami Benichou, qui a fait donc les 99. Bravo à lui, j'ai kiffé de voir exploser les zombies avec le 1000 corps, c'était plutôt très sympa. Mais c'est vrai que je pense pas le faire, parce que c'est beaucoup d'armes pour au final ne pas en récupérer des masses. Malheureusement, effectivement, les zombies que vous allez tuer, bah, vous allez récupérer, voilà, vous allez récupérer un petit peu de. Vous allez récupérer quelques armes, mais pour avoir des choses vraiment intéressantes, il faut être surtout sur les coupons bleus. Les coupons bleus, comme vous le savez, c'est assez long à farmer. Donc, à voir si ça peut valoir le coup ou pas. Pour faire la petite zone, on va dire facilement. Ah non, je me suis trompé! Je voulais. Si, de toute façon, non, j'ai pas eu trop le choix. Vous avez un truc qui marche bien, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir les taper, on va dire, un petit peu à distance. Alors là, du coup, avec une massation, on ne peut pas. Je voulais essayer plusieurs, on va dire, plusieurs objets pour voir si ça peut passer éventuellement. Donc là, lui, ce qui est chiant, c'est qu'il se restaure à chaque fois. Et la petite astuce, je l'ai vu sur la page de Doomerys, c'est de pouvoir utiliser des armes, on va dire, lointaines, et de le toucher, et bien, tout simplement, à distance. Donc là, il faut se mettre au milieu. Et non, ça passe pas avec ça. Ça va passer, du coup, uniquement, je pense, avec cette petite chose là qui est donc le panneau. Le panneau. Ouh là là, c'est pas évident à faire. Il faut réussir. J'arrive même pas le. Il veut même pas passer au milieu. Allez, allez, allez. Et non, il veut pas se mettre. Après, peut-être qu'ils ont changé depuis qu'ils ont. Parce que c'est vrai que. Ah non, il y a de fortes chances que ce qu'il a proposé notre. Ah, attendez, il m'a pas touché là, je crois. Et non, malheureusement, on ne peut plus le toucher. Alors, il y a eu peut-être un. Pendant un moment, effectivement, on pouvait s'en approcher plus facilement. Mais là, pour le coup, j'ai pas réussi. Alors, c'est à mon avis, c'est que c'est plus possible. Donc, du coup, c'est pas grave, on va y aller. Eh ben, attendez, on va garder ça, on va prendre ça. On va s'amuser à y aller avec la. Non, je vais peut-être pas prendre la faux, parce que tout le monde n'a pas la faux. Donc, soit les gros lards, vous les utilisez, vous les tapez à la masse assis, en mettant un petit CC du futur, histoire de bien le détendre, de le calmer. Et puis, les autres zombies, du coup, on va les taper simplement avec, avec notre petite machette. Eux, les prisonniers qui sont là. Voilà, on va les taper comme ça. On va lui mettre juste un petit coup histoire de lui faire du bien. Alors le gros lard, le combattant ici, lui, il plaisante pas puisqu'il enlève là les PV. Il fait super mal. Voilà, c'est bon, il en est venu à bout. Il reste quoi? Il reste des prisonniers. Les prisonniers, on va pouvoir se les faire également facilement. Donc là, il n'y a pas vraiment beaucoup, beaucoup de glitch dans cette partie de la prison. Il n'y en a même pas du tout. Pour l'instant, ouais, je l'ai fait qu'une fois, la prison. Elle m'a pas fait spécialement énormément rêver. Je sais pas vous, quand vous voyez les vidéos, les différents youtubeurs qui le font. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie pour au final pas des choses de fou. Donc lui, pour le tuer, faut bien faire attention qu'il ait son bouclier qui soit sur le côté. Parce que s'il est devant, et eh bien malheureusement, vous n'allez pas pouvoir lui mettre beaucoup de dégâts.
C'est surtout qu'ils veulent se protéger. Voilà, il s'est protégé. Il lui reste un PV. Et là, on va pouvoir le terminer comme ça. Très bien. Donc, là-haut, il y a quoi d'autre là-haut? Alors, c'est vrai que je suis parti avec des carreaux. Je me suis dit, tiens, ça va être sympa d'essayer de le faire avec de peu de vêtements. Parce que du coup, comme vous le savez, moi, je suis pro. Je suis un peu un anti-gaspillage. Mais ça risque d'être juste quand même. Ça risque d'être juste. Je pense que je vais avoir besoin quand même de rentrer à la maison parce que les carottes au final, bah, c'est pas 20 bandages, hein. 20 carottes, c'est pas 20 bandages. Oh tiens, on a récupéré un. Parlons de bandage et pas bondage, c'est deux choses différentes. Donc là où nous avons un zombie explosif. Ok, ça c'est bon. On va s'occuper également de lui sur le côté, ça serait bien. Et s'il nous a vu. Il nous a vu, c'est pas gênant. Bon là c'est gênant, je suis en slip. Ok, c'est bon, nous avons récupéré sa petite carte. Le dernier qui est un zombie avec le bouclier. On va essayer de le taper avec. Ouais, on va essayer de le taper comme ça. Ok, il s'est protégé, donc là, ouais, il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors après, il y a également des petites choses en termes de glitch avec les portes. On peut se cacher derrière les portes. Un peu de la même façon qu'avec les gros et les murs. Se mettre derrière un mur et pouvoir le taper sans qu'il nous tape. On va le tester tout de suite. On va le tester tout de suite. Alors par contre, on va juste se soigner un petit coup. On va se remettre une paire de galas qu'on a récupéré du coup sur place. On va prendre plutôt ça. De toute façon, j'ai plus rien pour me soigner. Voilà. Donc là, on va faire venir le premier. Lui, normalement, de toute façon, il va me voir. Donc là, la petite chose, c'est de se mettre. Alors, on va l'avancer ici. On va se mettre ici. Et là, il ne peut pas nous toucher. Donc là, un coup, on se recache. Un coup, on se recache. Voilà, le petit glitch, il est là. Et voilà, super. Donc là, nous avons fait un seul. Est-ce qu'il va pouvoir lui aussi? Eh bien, il arrive. Ok, c'est bon. Bon, après, c'est long de faire comme ça, mais c'est vrai que ça permet quand même de garder ses ressources. On attend qu'il tape. On y va, on se redécale. Voilà. Allez, on continue comme ça. Oh, la chaise! Il y avait la chaise qui m'a bloqué, mais quel con! Donc, quand vous faites ça, surtout, faites très attention à la chaise, puisque la chaise risque de vous bloquer bêtement. Elle risque clairement de vous bloquer bêtement. Et tiens, je vais tester en même temps la petite chose là, ce que j'étais en train de vous montrer. Je vais repartir avec les mêmes armes. Je vais juste me reprendre une petite tenue. On va juste se reprendre une tenue et puis ça va être tout. Bon, je vais pas prendre une grosse grosse tenue. Tiens, je vais prendre ça me plaît bien. Ah non, je préfère ce truc-là. Voilà. Et normalement, il me manque un futal, un petit fut, ça m'irait et ça me plairait bien. Un petit pantalon. Alors après, honnêtement, je préfère de loin, de très très loin, faire la ferme, qui reste pour moi la meilleure chose du jeu, la chose la plus intéressante, ce qu'il faut faire vraiment tous les... Ouais, chaque semaine, il faut que vous fassiez la ferme. J'ai priori, j'ai plus trop de bandages, donc on va prendre juste des carottes, on va en prendre plusieurs, j'ai pas envie de me faire avoir. On reprend pas d'armes, puisque normalement au niveau des armes, j'en avais suffisamment là-bas. Donc on repart comme nous sommes venus. Allez, let's go, on y va, on va voir un petit peu. Si on va pouvoir finir avec ce peu d'armes-là. Ça se fait grâce au glitch, ça peut effectivement se faire. Après, faites attention aux chaises, parce que ça peut vous piquer un peu malheureusement si vous faites pas attention si vous faites pas attention comme bah, je viens de faire là. Alors, ok, c'est bon, on rentre là-dedans. Alors. C'est parti. Alors, le petit temps de chargement. C'est vrai que les temps de chargement, j'ai l'impression qu'ils sont de plus en plus longs sur le jeu. Alors, on va pouvoir retourner du coup récupérer
nos vêtements qui sont morts. Oh, ok, on récupère notre sac à dos, c'est méga important. Ouais, oh, il sort d'où lui? Je l'avais pas vu, l'ami. Tiens, on va refaire une petite technique. On se met là, claque derrière la porte. Derrière la porte, dis. Ouais, et surtout, on fait attention, il y a une chaise, effectivement. Voilà, et le dernier coup. On n'en parle plus. Donc après, il fallait partir. J'aurais dû peut-être partir vers le bas. Ça aurait été un petit peu mieux. Allez, lui. Le dernier zombie officier, du coup. Pareil, on fait la même chose. On se met ici, on attend bien qu'il avance. On se décale. Voilà. Allez. Bon, je vais pas le faire tout le temps parce que du coup, c'est vrai que ça va être là. La vidéo va mettre 10 ans. Mais vous voyez que c'est complètement possible. Alors, on va juste mettre 10 carottes. On va se mettre ça ici. On va regarder si avec cette porte-là, on peut le faire également. On va se mettre en mode. J'ai pas le temps de le faire avec. J'ai pas le temps de le faire là. On va se dépêcher. Oh là 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 là, en plus il court. Il court le gros là. Hop là. Alors, on va le mettre en mode auto. On s'emballe. Ah, je voulais tester, du coup je suis bête. Je voulais tester avec le gros, voir si ça allait bien fonctionner. On va essayer d'en rechercher un autre. S'il y a pas un autre gros encore dans le coin. Ok, donc là, a priori, je pense pas qu'il y ait d'autres gros. Comme ça, on aurait pu tester cette petite façon de faire qui pourrait être éventuellement pas mal. Alors, on va là-dessus. On va regarder du coup au total en faisant juste le commissariat classique sans faire les vagues, voir un petit peu tout le loot qu'on peut récupérer. Si on peut effectivement récupérer des armes, mais à mon avis, ça va être dur. À mon avis, ça va être quand même relativement dur. Alors après, avec les tickets violets, effectivement, on peut récupérer des comment que ça s'appelle? On peut récupérer des blueprints de plans, effectivement, violets. Les blueprints bleus, essentiellement, on peut les avoir avec les coupons bleus. Les verts, on aura surtout de la commune. Ça reste correct, hein, ça reste correct personnellement. Après, avec les en dessous de mémoire, je crois qu'on peut en récupérer aussi, je sais plus. Ok, là, il y a ça, donc là. Je viendrai le récupérer après, faut surtout pas que j'oublie. Donc ici, c'est bon, là on a tout fait. On va. Ah merde, je peux pas sprinter tout de suite. C'est vrai qu'à chaque fois, il faut que j'attende. C'est un petit peu long, mais c'est pas grave. Il y a un zombie, tiens, j'ai pas récupéré en bas. Il y a un zombie, je n'ai pas récupéré. Ah bah si, tiens. On va pouvoir tout de suite tester. Donc avec une porte. Il y a une porte. Ouf, est-ce qu'il y a une porte? Bon, voilà, on va se mettre là. Hein. On va se mettre là, comme ça va permettre de tester rapidos. Ok, c'est bon. Bon, par contre, là, j'ai les deux, du coup. Pourquoi je peux pas le toucher? Je pouvais pas le toucher là, c'est bizarre. Alors attendez, on va refaire. Dégage, toi le gros lard là, il est en train de se heal en plus, ce con. Voilà. Alors, retourne ici. On va reprendre du coup. Non, j'ai plus de. Ah si. Alors, on va récupérer ça. Et puis, on va tester tout de suite, voir si ça peut fonctionner également avec le mordeur affamé. Alors, un coup. Et bah ouais, c'est bon, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, donc il y a moyen du coup de prendre quasiment aucun dégât. Parce que du coup, lui, quand il se heal, eh bien, il fait mal ce con. Et on est obligé d'y aller deux fois plus. Allez, dernier coup. Et voilà, c'est terminé. Donc, vous avez vu la façon, on va dire, relativement efficace, rapide, efficace, pour tuer le gros là. On va aller regarder rapidement ce qu'il y a en haut. Non, il n'y a plus personne, c'est tout bon. Est-ce qu'on peut passer derrière la porte là? Non, on peut pas passer derrière cette porte-là. Celle-là non plus. Et c'est l'autre côté, je me suis trompé. Allez. Ok, let's go. Let's go.
On va regarder voir avec tous les coupons qu'on a pris, récupérés. On n'en a pas récupéré des masses. Hein. Honnêtement, on n'en a pas récupéré énormément. On va juste aller voir sur les gros là, s'ils ont des trucs à nous donner. Tiens, j'ai une clé, donc on va ouvrir. On va ouvrir la première, voir ce qu'on peut avoir là-dedans. C'est parti, on fouille le plumard. On fouille le plumard. Et nous. Oh, nous avons trouvé le débardeur. Nous avons le Glock. Ça fait plaisir. Tiens, je vais boire un coup, j'ai soif. Ça, c'est cool. Donc là, il va falloir vraiment que je n'oublie pas de revenir. Là, celui-ci, je crois que je l'avais ouvert, ouais, dès le départ. Et donc, c'est parti. On va aller regarder. Oh, j'ai récupéré une deuxième clé. Alors, ça, c'est bien de la chance. Ça dit donc deux clés. Ça reste rare, je pense. On va ouvrir là. On va regarder ici tout de suite ce qu'il y a. Ok, il y a de quoi se nourrir. Donc là, on va tout de suite le prendre. Comme ça, c'est fait. Je reviendrai pareil après. Récupérer bah, mes derniers loot. Et ben, nous avons fait le tour. Malheureusement, j'ai récupéré combien? On a récupéré trois cartes. Trois pauvres cartes. Donc on va les ouvrir. On va voir ce qu'on peut éventuellement récupérer. Mais à mon avis, ça ne va pas être ouf. Ça ne va pas être ouf. Donc si on veut en récupérer d'autres, il va falloir effectivement s'occuper de la vague. Parce que là, donc on a récupéré une arme, on a récupéré un peu de pansement, un club de golf, et enfin une batte. Donc clairement, pas spécialement rentable de faire toute cette, de faire toute cette zone-là. Ça n'a pas apporté grand-chose. On a récupéré. Qu'est-ce qu'on a récupéré au pire? Une plaque d'acier, il y a quoi y a... Ouais, non, ça, je l'avais. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Je suis assez. Voilà, c'est sympa, ça fait une nouvelle zone, c'est cool. Après les vagues, honnêtement, à part te liquider tes armes, c'est tout. À part vider ton chargeur pour pas grand-chose. Je ferai une vidéo juste qui parle, on va dire, plutôt de la renta. C'était vraiment la vidéo sur comment faire le Comico sans armes à feu. Et on a réussi. Voilà, c'est relativement simple hein, quand même. Mais bon, ça prend, on va dire, 3 jours. C'est assez long à attendre. Eh bien écoutez les amis, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao ciao les amis.